Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de Parlons F1 sur l'écurie, vous l'aurez compris, Simtech Grand Prix. Donc, une écurie qui a couru entre 94 et 95. Donc, les préludes de Simtech. Tout simplement, c'est une équipe qui, à la base, ne devait pas faire de la Formule 1. Elle a débuté en 89, donc elle a été créée par Nick Wirth, je ne sais pas comment on prononce, mais allié avec le fameux Max Mosley. Elle devait faire donc concevoir des matériels pour les monoplaces et aussi des monoplaces un petit peu comme Lola ou un petit peu comme, Reynard, ce genre de constructeur. Donc, fin des années 80, qu'est-ce qui se passe? BMW qui, à l'époque, pense à une arrivée en Formule 1, d'ailleurs ça va être aussi le cas pour les années 2000, propose à Simtech de concevoir un début de châssis pour l'équipe BMW. Cependant, ce projet sera avorté en 91, mais il ne sera pas perdu totalement, puisque Andrea Moda, une fameuse écurie de Formule 1 pour ceux qui connaissent bien, va reprendre, entre parenthèses, le projet de Simtech, et donc le modèle créé par Simtech pour la F1. Donc, Andrea Moda, alors vous allez dire c'est sur Simtech qu'on fait la vidéo, mais il faut absolument parler d'Andrea Moda, juste avant. L'écurie s'engage en 92, ils vont utiliser la Colonie, en fait, Colonie qui est une écurie donc, italienne qui arrête sa saison en fin 91, hein, après avoir été non qualifiée quasiment à toutes les tentatives. Elle va donc récupérer la C4, qu'elle va renommer la C4B que vous voyez ici. À savoir que Andrea Moda va avoir de gros soucis avec la FIA puisque il est interdit en fait de démarrer une saison avec une F1 normalement d'une autre écurie. Donc ils vont avoir une pénalité, ils vont être complètement disqualifiés en Afrique du Sud. Que c'est considéré un petit peu aussi comme un renommage en fait d'une écurie existante pour pouvoir conserver les positions, les droits TV, etc. Donc comme ils se font virer, ils vont devoir concevoir leur propre châssis, et c'est à ce moment-là qu'ils vont utiliser le châssis ex-BMW Simtech, que vous voyez ici, voilà. Donc l'équipe ayant très très peu d'argent, hein, je crois environ 6 millions de dollars pour l'époque, ce qui est vraiment très peu. Les grandes écuries ont déjà bien plus que des 50, voire presque 100 millions à l'époque. Donc l'équipe n'arrive pas à faire quoi que ce soit en fait avec cette voiture. Ils vont réussir une seule fois à se qualifier, donc voilà, à Monaco avec la voiture. Mais ça sera sans intérêt puisque finalement la voiture va abandonner très, très peu après le début de la course. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Andrea Moda au fil de la saison? C'est qu'ils vont se prendre des pénalités sur pénalités. C'est vu comme une équipe qui fait tâche, un peu comme l'équipe Life en Formule 1. Donc, il va se passer que après le Grand Prix de Belgique et une énième non-qualification, l'équipe va tout simplement disparaître. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'il y a aussi une autre équipe qui a envie de démarrer en Formule 1, c'est l'équipe Bravo. Donc, comme je l'ai marqué, qui a été mené donc par Jean-Pierre Monnier, alors je ne sais pas si c'est du Mosny ou Monnier, et Adrien Campos. Vous remarquerez donc le modèle que l'on voit affiché ici ressemble étrangement à l'Andrea Moda de 92 et par extension aussi à la modèle développé par Simtech pour BMW. Alors le budget est encore plus faible, on part de 6 millions de dollars pour Andrea Moda, il est à peu près de 3 à 4 millions de dollars pour l'équipe Bravo, qui est une équipe logiquement espagnole, mais qui est basée en Angleterre. Donc on parle d'un moteur Jet V8 qui aurait pu être utilisé, et même quelques contrats avec peut-être Miguel Honda, Lamborghini et Hart, mais il n'en sera rien du tout. Petite erreur de frappe, c'est Jordi Gené, Larini, qui vont postuler pour le baquet. On parle une seule voiture pour le début de saison et finalement il n'y aura aucune voiture qui va démarrer la saison 93. Le problème pour ce projet, c'est que Jean-Pierre Monnier va décéder lors de la saison 93
Et pour le coup, ça va mettre un gros coup au moral de l'équipe et surtout un gros coup financier. Et donc l'arrêt du projet Bravo en F1. En 94, donc déjà l'équipe Simtech pense entrer en Formule 1, donc à peu près à partir de la mi-saison 93, l'équipe pense donc faire ça en arrivée. Et donc montre un modèle en fait qui est basé sur la Bravo que vous avez vu juste avant, avec l'aileron avant ultra chiadé, hein. C'est un peu l'aileron qu'on pourrait avoir sur les F1 comme les Benetton de 93 ou 94. À l'époque, c'est pas vraiment le type d'aileron qui se fait, hein. On est plutôt sur des ailerons avant avec le nez qui plonge, le nez bas. Et voilà, donc ça c'est la Simtech S941, enfin avant celle qui sera la S941, qui ne ressemblera pas du tout à ça. Voici donc la première Simtech créée pour la Formule 1 concrètement. Donc elle sera motorisée par un moteur HB V8, donc un moteur très classique. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient motorisées par Ford. C'était quasiment les moins chers des moteurs, hein. Il y avait aussi les moteurs Hart, les moteurs Ilmor, il me semble. Enfin, voilà, c'est donc c'est ce qui vous coûte le moins cher. Alors l'équipe, je ne l'ai pas marqué, mais elle va débuter avec un budget d'environ 5 millions de livres sterling. Ce qui doit faire à peu près dans les 7 millions ou 6-7 millions de dollars. Et c'est David Brabham, donc le fils de Jacques Brabham, justement, qui va donc être choisi pour piloter cette voiture. Et il sera aux côtés du fameux Roland Ratzenberger, pilote autrichien. On parle aussi de Jean-Marc Gounon, qui est censé prendre la main sur la voiture en cours de saison, et qui manque d'argent, donc ça va pas être le cas en début de saison 94. Donc voilà la Simtech, hein, donc assez particulière. Elle ressemble évidemment au modèle que l'on a pu voir avant, c'est-à-dire la Bravo et la Colony, même si elle est légèrement différente au niveau de l'avant. Donc l'écurie va commencer la saison 94. La voiture n'est pas spécialement rapide, mais elle est même plutôt lente. Elle n'est pas aidée par un moteur Ford qui, certes, est assez fiable, mais pas puissant, pas tellement puissant. En plus, les deux pilotes sont des débutants. Donc, Ratzenberger et David Brabham ne font pas de miracle dès le début de saison. La voiture est quasiment la plus lente du plateau. Ils se battent avec Pacific. La Pacific Grand Prix, dont on fera peut-être un Parlons F1 dans quelques temps. Je ne sais pas encore. Et donc, les deux nouvelles écuries de la saison 94, Pacific et Simtech, vont avoir beaucoup de mal. Mais Simtech va s'en sortir un petit peu mieux. Vous allez le voir ensuite. Donc, le Grand Prix du Brésil. Il y a seul David Brabham donc, qui se qualifie, donc Ratzenberger qui échoue. Et il termine deuxième à 4 tours du leader. Alors à l'époque, 4 tours, ça paraît énorme. Enfin, pour nous maintenant, 4 tours, ça paraît énorme. En général, les derniers terminent à 1 tour ou 2 tours. Et encore, là, à l'époque, 4 tours, c'était plutôt classique. Vous allez le voir, même en 95, c'est encore pire. Mais ça montre bien que la voiture n'est pas du tout au niveau escompté, même si elle arrive à se qualifier. Donc Haïda cette fois-ci c'est l'Autrichien qui arrive à se qualifier, comme Brabham d'ailleurs, donc les deux voitures qui arrivent sur la grille de départ, dernier tout simplement, et Ratzenberger va terminer la course en 11e place à 5 tours du leader, et David Brabham va abandonner, et de son combat avec Pacific Grand Prix, pour le moment, bah, c'est un petit peu le statu quo. Les deux voitures arrivent à se qualifier. Donc, du coup, quand elles se qualifient, elles éliminent Pacific et inversement. Ensuite, on a, donc, comme je l'ai expliqué, elle a un retard technique assez important puisque l'équipe a très peu de moyens. Pacific aussi vient de démarrer avec un budget quasiment similaire. La seule différence avec Pacific. Et Simtech n'a pas d'antécédent en Formule 3000 ou dans les formules précédentes, là où Pacific en revanche a gagné dans les formules précédentes. Et d'ailleurs, l'équipe Pacific a des pilotes un peu plus expérimentés que Pacific. Donc on va arriver au Grand Prix de San Marin. Et là, je vous prie de m'excuser d'avance, puisque vous allez voir, vous vous en doutez si vous connaissez l'histoire, la vidéo de ce qui va se passer pour l'écurie Simtech lors de ce Grand Prix d'Imola 1994, c'est-à-dire
un grave accident qui va se produire avec Heisenberger. Avant de lancer la vidéo, je vais quand même expliquer ce qui se passe exactement. Un tour avant l'accident, apparemment, il y a un dommage sur l'aileron avant de la Simtek, mais le pilote autrichien, alors attention, je pèse mes mots, n'aurait pas été spécialement gêné, n'aurait pas souhaité forcément rentrer au stand, et donc va continuer le tour suivant. Et là, on va atteindre ce qui n'était pas vu depuis, je crois que c'est la mort de, Villeneuve. Avant, je sais plus quel pilote est décédé avant, mais en gros, Heisenberger va taper le mur. Je vous montre la vidéo, je la couperai sincèrement avant la fin, juste pour éviter d'avoir des choses trop, comment dire, vous allez comprendre. Ce qui passe en haut de l'image à droite, c'est l'aileron avant de la Simtek qui s'envole. À partir de cet instant, la voiture est totalement incontrôlable. Depuis Gilles Villeneuve en 1982, aucun pilote n'est mort en essai officiel. On pouvait même imaginer qu'en Formule 1. Top, je vais m'arrêter là parce que voilà, vous aurez compris que par rapport à ce qui se passe, c'est assez très grave. Donc Heisenberger, qui continuera son tour, va voir son aileron s'arracher au pire endroit, c'est-à-dire après le tamburello, c'est-à-dire le virage le plus rapide du circuit et qui donne sur une longue ligne droite encore avant une épingle. Il va tirer tout droit, à quasiment 300 km/h environ, et va s'écraser contre le mur. Le choc est tellement fatal que le pilote est quasiment mort sur le coup. Il y a une réanimation qui est tentée quasiment instantanément dès que les médecins arrivent. Et malheureusement, ce qui va se passer, bah, c'est que le pilote autrichien décède lors de cette course. Alors j'ai fait une vidéo en parlant F1 sur tout ce qui s'est passé avec Senna et Radenberger, donc je ne vais pas m'étendre spécialement là-dessus, même si je suis obligé d'en parler puisqu'on parle de Simtek et que Simtek est évidemment concerné. Donc Simtek va perdre le pilote autrichien, donc il sera donc décédé et il va devoir continuer l'aventure avec une seule voiture. J'en avais parlé, il y a eu quelques. Faut savoir que Simtek par exemple est sponsorisé par MTV, MTV Simtek, c'est d'ailleurs le sponsor principal. J'en ai peut-être parlé dans la vidéo sur après l'accident de Senna et l'accident de Heisenberger. Mais ce qui était assez mal vu à l'époque, mais je ne sais pas si c'est compréhensible ou pas, mais ils écoutaient, après la mort de Heisenberger, il y a eu des rapports comme quoi, ils écoutaient encore de l'Eurodance, puisqu'ils avaient un contrat avec MTV, ils étaient obligés de passer de la musique d'MTV, alors qu'ils venaient de perdre leur pilote. Donc ça a été très très mal vu, cette histoire, mais il n'y a pas eu de suite spécialement. Il y a une défaillance comme il y a pu y avoir sur celle de Senna. Donc il n'y a pas eu de poursuite engagée à l'encontre de la petite équipe Simtek. Donc à Monaco, l'écurie se retrouve avec une seule voiture. Brabham donc, va se qualifier à nouveau. Il va abandonner au 45e tour. Je n'ai pas montré la photo où tous les pilotes sont rassemblés autour de la mort de Senna et de Ratzenberger, tout simplement parce que sur la photo, si vous lisez, vous voyez cette photo, vous verrez qu'il y a Adus Hirston et qu'on ne parle très peu de Ratzenberger, c'est-à-dire que Senna a pris tout le poids médiatique en fait de son décès par rapport au pilote autrichien. Cela pourrait sembler normal dans le sens où ben, on parle d'un pilote débutant contre un pilote plusieurs fois champion du monde, l'idole du Brésil, etc. Donc je ne l'ai pas mis, mais faut savoir aussi que c'était aussi en honneur de Ratzenberger. Ensuite arrive le Grand Prix d'Espagne, après le Grand Prix de Monaco. Et là, si on pensait que Simtek ne pouvait pas vivre une saison 94 que ça, et bien en fait ça va être le cas, puisque dès les essais qualificatifs, en fait, le pilote remplaçant, qui est Andrea Montermini, justement, va avoir un accident
Dans le dernier virage, avant la grande ligne droite du Grand Prix de Catalogne, et là, à nouveau, Syntec va plus ou moins perdre un pilote dans le sens où, où il va avoir, je crois que j'ai marqué, le talon brisé, le pied brisé, mais heureusement pour lui, le pilote s'en sort indemne dans le sens où ce n'est pas comme Ratzenberger. Je m'exprime peut-être très mal, je suis désolé, mais c'est quand même un sujet assez sensible. Donc voilà, il faudra comprendre que c'est pas évident d'en parler. Donc voilà, voilà ce qui se passe exactement. Going into the tire wall very hard, and John, that was a very heavy shunt indeed. Right at the very end of session, Montemini ran wide, coming onto the pit straight, a fifth gear corner. You see it in slow motion. He got onto the dust, onto the gravel. The car went one way, snapped back instantly the other way, and hit the tire wall that cuts back onto the straight. And there, on peut voir que l'avant de la Syntec est complètement détruit, donc les jambes, enfin les jambes et les pieds ont complètement pris. Vous voyez, on peut voir à travers quasiment le châssis. Et donc le pauvre Montarini, bah, c'est terminé pour lui, il ne pourra plus rouler de la saison. C'est une scène que Syntec ne voulait pas revoir, et malheureusement ça va être le cas encore une fois. Et vous voyez justement le fort Roland qui a été mis sur le haut de la voiture en mémoire de Roland Ratzenberger, qui sera présent d'ailleurs toute la saison sur les voitures de l'année 94. Donc à nouveau une seule voiture engagée pour le Grand Prix du Canada. Donc même si David Brabham termine en 11e position de cette course espagnole avant le Grand Prix du Canada, il termine encore dernier, donc la Syntec qui n'est pas vraiment au niveau, toujours pas au niveau. Au Canada, il va finir 14e. Et en France, on va avoir le deuxième baquet qui va être récupéré par le pilote français Jean-Marc Goudon, dont j'ai parlé au tout début, qui du coup va récupérer donc le deuxième baquet. Et pour sa première, il va réussir à faire une performance plutôt correcte, puisque il va se qualifier déjà dès sa première course, même s'il se qualifie derrière David Brabham. En revanche, il va pouvoir terminer la course en 9e position. Voilà, seulement c'est sur les 10 pilotes ayant à l'arrivée. Donc encore une fois, c'est plutôt par élimination que Syntec rentre dans le top 10 et non pas par ses performances de manière générale. Donc là, je vous ai proposé une petite vidéo où on peut voir la Syntec tourner, justement de, je crois que c'est Gounon, sur le circuit de Manicourt. But it is a difficult position for any new team, both in terms of keeping up with technology and with the enormous and tragic setbacks that Syntec had. First of all, of course, for Roland Ratzenberger at Imola, and then in Barcelona when Andrea Montemini planted it fairly and squarely in the wall on the outside of the pit's corner in Barcelona. So the team still recovering from two very serious and tragic moments. Well, Damon Hill goes out again. Well, we stay with David Brabham for the moment. Damon currently third fastest, 117.844.75 seconds away from pole position. Well, David Brabham passes the Pacific, and both Pacifics are out at the moment, if I saw right, John. It's the Pacifics of Gasho and Belmondo are 27th and 28th, and there's like 0.8 of a second between Bertrand Gasho and the last qualifier, Jean-Marc Gounon. Well, Martin Brundle and his McLaren Peugeot in fifth place. But what is a little more surprising is Mika Häkkinen down in 11th place. Now, normally, Mika is the quicker of the two in qualification. So one, I think, is led to believe that the problems that Häkkinen have are... Voilà, donc pour le tour de Brabham, qui n'est pas complet d'ailleurs, mais je ne voulais pas non plus mettre des extraits trop longs, on me l'avait reproché sur certaines vidéos. Donc... dès le Grand Prix de France, donc après cette plutôt bonne 9e place, qui
leader va plutôt aider Simtek pour le classement final, vous verrez à la fin. Donc il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne, cette fois-ci les deux pilotes terminent la course, tout encourageant pour l'écurie Simtek. En revanche, ils sont toujours dernier et avant-dernier et à 3 tours du leader, même si c'est un petit peu mieux que 4 ou 5 tours, je vous l'accorde. Alors en Allemagne, ce qui se passe, c'est qu'il y a un carambolage énorme à Hockenheim, c'est-à-dire que à l'arrière de la grille, il va y avoir beaucoup de voitures dehors, et il va aussi y avoir Hakkinen qui va emmener une partie du peloton devant, qui fait que les voitures vont se retrouver plutôt bien placées, puisque un tiers du plateau a quitté la course quasiment après le premier virage. Donc je vous montre quand même le départ, cette fameuse course. Por dentro, Jean Lézy. Lá atrás vai passar a bandeira verde. Nós vamos para a primeira das 45 voltas. Sobe o giro dos motores. Vai pintar a luz vermelha. Vamos à largada do Grande Prêmio da Alemanha. Luz vermelha. Luz verde, a largada. Regardez bien derrière, ça se passe au début derrière. Il y a plusieurs voitures qui vont se faire. Voilà, qui vont sortir. Et puis devant, Hakkinen sur la gauche, avec la voiture rouge et blanche. Et voilà. Quatre carros e pior ainda. Passou reto Mika Hakkinen. Sobrou ali pro Blundell. Et Hakkinen d'ailleurs qui va se faire exclure d'une course ou deux, il va se remplacer par Philippe Alliot chez McLaren. Vous voyez, il y en a devant les stands, il y en a après le premier virage et devant le premier virage, il y a un peu de tout. Uma Sauber ficou, a outra vai encostando. Complicadíssima largada do Grande Prêmio da Alemanha. Foram batidas, duas batidas em pontos diferentes. E há uma certa angústia na Ferrari. Ali ao fundo a Jordan, sem definição se é o carro de Rubinho ou se é o carro de Irvine. O piloto já não está no carro. Alors malheureusement, pour, en tout cas Simtek, bien que les voitures aient réussi à ne pas être pris dans le carambolage, elles ne termineront pas la course pour autant. Ensuite, en Hongrie, on a la Simtek qui finit 11e avec Brabham. Puis le même résultat au Grand Prix de Spa avec Jean-Marc Gounon, donc de 11e place. Oui, donc je l'ai expliqué en bas, comme elles ont un moteur qui est un petit peu juste en puissance, c'est là où justement sur les circuits rapides elles auront des problèmes. C'est pour ça que c'est en Hongrie, elle s'en sort plutôt bien. C'est que la voiture est plutôt agile. En plus, elle est plutôt fiable. Donc du coup, ça aide l'écurie à être, enfin la voiture, à être un peu plus rapide sur les circuits lents, alors que sur les circuits comme Monza, elles ont beaucoup plus de mal. Ensuite, voilà. Donc je reviens sur l'histoire Pacifique, hein, qui est leur principale concurrente. Je l'ai déjà dit pour la saison 94. Simtek, dès le Canada à peu près, commence à prendre ascendance au Pacifique et en fait va empêcher Pacifique de se qualifier tout le reste de la saison, puisque je rappelle qu'il y a 26 places disponibles sur la grille et qu'on a 28 voitures engagées, donc les deux derniers ne sont pas qualifiés. Au Grand Prix d'Europe, Jean-Marc Gounon, donc il est remplacé par l'italien Mimmo Scatarella. Alors on l'appelle Mimmo, mais c'est Domenico Scatarella. Il va terminer 19e pour sa première course d'ailleurs. Il va se faire remplacer ensuite par Taki Inoue au Japon. Taki Inoue, donc. Pourquoi il est là, Taki Inoue? Il va arriver au Japon tout simplement parce que vous le savez, les pilotes japonais, à cette période en tout cas, a mené énormément d'argent en Formule 1. Il y avait de gros sponsors derrière. Bon, 94, c'est un petit peu la fin de l'hégémonie japonaise hein, sur le plan économique, mais quoi qu'il en soit, il amène une énorme mallette de billets. Et c'est pour ça qu'il va avoir droit à un volant au Japon. Il va d'ailleurs se retrouver en 95 chez Footwork, hein, toujours pour son argent et non pour son talent. Un jour, il faudra faire un épisode sur Taki Inoue, je pense, parce que sincèrement, c'est peut-être le pire pilote que connu la Formule 1, quasiment. Avec 2-3 autres pilotes derrière. On parle souvent de Yuji Hide, au plus récent, mais Taki Inoue, c'est vraiment un cran au-dessus. Donc la course japonaise sera très courte et la prestation assez mauvaise, surtout le week-end. Alors j'ai marqué ça, j'ai pas expliqué pourquoi, je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que il va se qualifier,
mais à 7 secondes 5 de la pole quand son équipier est à peu près 4 secondes et demi, 5 secondes. Et pour terminer, il va abandonner au bout de 3 tours. Donc la saison 94 est terminée pour l'écurie Simtek. Il n'y a aucun point marqué avec une 9e place comme meilleur résultat. Et cette 9e place, elle impacte plus ou moins, puisque finalement Pacific n'a fini aucun grand prix, mais aurait pu impacter le résultat final si Pacific par exemple avait terminé 10e ou 11e et pas 8e ou 7e. Ce qui fait que Simtek termine 13e sur 14, juste derrière Lotus qui a fait une meilleure position à l'arrivée, c'est-à-dire une 7e place, Lotus qui ne marque pas de points et qui va quitter la F1 à la fin de l'année 94 d'ailleurs, et qui va être en partie récupéré par Pacific. Décidément, il faut vraiment que je fasse un épisode sur Pacific. Voilà, donc Simtek qui va finir 13e, 100 points, mais avec une saison, on va dire, assez solide, puisque la voiture s'est quasiment qualifiée à toutes les courses, ou au moins une tête de voiture. Elle a montré une certaine fiabilité. J'ai une certaine fiabilité, surtout en comparaison avec Pacific et d'autres écuries, comme par exemple Lotus. Et on va dire une situation assez saine. Durant la saison 94-95, donc on a David Brabham qui retourne en GT, il va se faire remplacer par Jos Verstappen. Il faut savoir que Simtek a un petit peu... comment dire... Flavio Briatore, qui est chez Benetton, a quelques relations avec Simtek, quelques bonnes relations, donc du coup il va pouvoir placer le Hollandais qui a fait une saison 94 très compliquée face à Schumacher. Il va se retrouver à faire une pige chez Simtek. Jos Verstappen qui certes a eu du mal, mais qui n'est pas non plus un manche. Et il sera complété normalement par Hideki Noda, dont on parlera un peu plus tard aussi. Mais comme Hideki Noda va avoir quelques soucis, ça va être toujours Scattarella qui va conserver le baquet de numéro 2. Léo Briatore va même offrir à l'équipe une boîte de vitesse Benetton. Alors j'en ai pas parlé, je voulais en parler, mais en 94, l'écurie Simtek en début de saison ne dispose pas de boîte semi-automatique, ce qui est aussi le cas de Forti, il me semble, et de Pacific. Enfin, Pacific dispose d'une boîte extra, qui me semble, qui est totalement pas fiable du tout, ce qui a plombé Pacific au passage avec. Mais du coup, Simtek s'améliore en fin de saison parce que justement, il commence à avoir la boîte semi-automatique qui aide beaucoup par rapport à la boîte manuelle. D'ailleurs, c'est les dernières années où on aura des boîtes manuelles en Formule 1. Donc le pilote japonais Hideki Noda, on en parlera plus tard, qui d'ailleurs avait fait quelques courses chez Larousse fin 94. L'écurie a réussi à ramener quelques sponsors. J'ai noté donc Korean Air, XTC. Alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé le logo d'XTC. Il y a tellement de boîtes qui s'appellent XTC actuellement que je ne l'ai pas trouvé. Donc vous la verrez seulement sur la voiture. En termes financiers, la saison 94, enfin l'intersaison, l'équipe n'a pas beaucoup gagné d'argent, là elle a plus perdu qu'autre chose, donc sa situation financière est très très précaire en ce début de saison 94-95, et vous allez voir un peu plus tard ce que cela va donner. Donc le Simtek conserve le moteur Ford aussi, ils vont pas en changer, bon c'est une nouvelle version, hein, c'est un Ford EDB toujours en V8, et elle va devoir aussi adapter sa voiture pour la saison 95, qui... Vous avez suivi le Parlons F1 sur la pré-saison 94, justement. Il y a des nouvelles normes de sécurité qui arrivent en Formule 1, c'est-à-dire que maintenant, il y a la carrosserie sur les côtés qui doit être légèrement déformable jusqu'à un certain point pour limiter l'impact. Elle va pouvoir aussi, il me semble, se détacher... Enfin, plein de normes de sécurité par rapport à ce qui s'est passé en 94 et qui, du coup, augmente les coûts de fabrication des nouveaux châssis. Quoi qu'il en soit, l'écurie... va sortir sa S951 qui va passer les crash tests, donc va pouvoir participer à la saison 95. Vous pouvez le voir, voilà, le profil un peu plus anguleux, je l'ai noté, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus... La modèle de 94 est surtout fait de belles courbes, alors qu'ici, voilà, c'est beaucoup plus carré, surtout sur les pontons. L'aileron avant a été changé, le nez est un nez, toujours un nez bas. L'arrière a été aussi retravaillé au niveau des sorties... enfin... entre les roues et le capot moteur.
Les sponsors sont toujours les mêmes, j'en ai parlé, à part XTC, Eco Ryanair et Mentenoras, qui est censé être un sponsor amené par, par Hideki Noda. Alors, en 96, qui est comme changement qui va bien aider Simtek, c'est que déjà, ils sont plus que 26 voitures, ils sont plus 28, donc automatiquement, cela enlève la partie non-qualification, surtout que les 107% n'existent pas encore. Alors j'ai marqué qu'il y a 13 équipes engagées avec une petite étoile. En fait, il faut savoir que Larousse est encore engagée à ce moment-là, mais ne fera aucune course pour problème financier. Au Brésil, la première course ne va pas être extraordinaire. Enfin, une course en fond de grille, on va dire. Elles finissent même par être dépassées par les Forti en qualification, qui est une nouvelle écurie. Et j'ai marqué que la première course était catastrophique, puisque tout simplement les deux voitures vont abandonner au bout de quelques tours. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe en Argentine. L'Argentine, c'est une course qui a beaucoup marqué pour Simtek. Alors d'ailleurs, il y a un petit bug d'affichage, j'ai l'impression. J'espère que ça va. Bon, voilà, c'est affiché. Donc, il y a les qualifications du Grand Prix d'Argentine qui vont être très particulières, puisqu'elles vont se dérouler sous la pluie. Et du coup, c'est là où Simtek va réussir sa meilleure qualification de la saison. Alors, je n'ai pas trouvé la partie avec Verstappen, partir à 14e sur la grille. Mais du coup, je vous montre ce qu'est arrêt là. Et je peux vous dire qu'à l'époque, sous la pluie, c'était compliqué. Very sensibly, because a small team like Simtek here are little more than a wing and a prayer in terms of having spare parts available. And you can just see how treacherous the circuit is. With that very, very heavy rainstorm that came through some 30 minutes ago, and then the rain has eased off and it picked up again. Right now, it more or less appears to have stopped, but any prospect or chance of further practice, meaningful qualifying, I should say, I would have to say is unlikely. But we wait and see. There's enough wind blowing up. The ambient temperature could rise. If everybody went out onto the circuit, you know, miracles can happen. Tracks can develop dry lines very quickly. Martin, you've been in a situation like this many times, and it's really nerve-wracking for a driver to have to sit out a session like this, knowing the right time to go out, knowing the right time to change from wets to dries. Yes, it's a very strange time for a Grand Prix driver. You've seen pictures there. He looks very calm, collected, and but underneath it all, we've got to keep the adrenaline pumping. We know that at any moment there could be a slightly dry line appearing. Yesterday's session was wet too. And you've really got to stay focused, but you know, you've got nothing, you've got nowhere to sort of to put that energy that you're sitting there with. You want to go out and qualify, and it's really quite a difficult hour. Imagine that this session remains wet enough that it doesn't affect grid positions from what we saw on Friday qualifying. Et donc du coup, celui qui va le mieux s'en sortir des deux, c'est donc, je vous l'ai dit, Verstappen, qui va partir 14e sous la grille. Alors vous allez voir les temps. Pino, il va finir, bon là c'est vraiment, c'est pas forcément le tour le plus rapide de ce Qatar-là, mais ils finissent au-delà des 2 minutes quand même sur le circuit d'Argentine, ce qui est assez énorme. Et les écuries derrière vont être en moyenne en 2 minutes et quelques, voire même 2 minutes 11. Et heureusement pour ces écuries qui, les 107% n'existent pas, parce que sinon il y aurait la moitié du plateau qui serait même pas qualifié. Donc là on a Qatar toujours dans ses œuvres. Et vous pouvez remarquer qu'à l'époque, il y avait beau avoir de la pluie, et ben, on y allait. Était un peu plus ouvert à ce niveau-là. Cet arrêt-là qui a vraiment du mal. Mais tous les pilotes, de toute façon, avaient du mal à cette époque. Pas du moins sur cette course, hein, je veux dire. Regardez la descente en plus en Argentine. Dernière chicane avant l'arrivée. On a vu l'argent remonter, puis la ligne droite. Voilà, un tour en 2 minutes 07. Et pas très rapide. Donc, on va passer à la suite. Cette même course, Verstappen va être. On peut le dire plutôt magistral, puisque en partant 14e, il va réussir à gagner des positions dès le départ. Bon, bien aidé par le carambolage que je vais vous montrer. Le
pudo Schumacher, no pudo colarse, va a quedar cuarto en la primera curva, perdió un puesto por afuera y puede perder otro por adentro. Trompo de Alesi, trompo de Jean Alesi en la primera curva, queda fuera el francés de Ferrari, una lástima. Sí, se preocupó mucho con Berger se preocupó mucho con él, y es la parte que tenía más polvo, ahí es una lástima también que Olivier Panis se quede por segunda vez cuando vemos la reedición del accidente. Quedó demasiado adentro Alesi, fue tocado, extraordinaria largada de Coulthard, como un consumado veterano. Me parece que Barrichello, uno de los Jordan, también se había quedado, ahí está bajando Jean Alesi, quedó montado sobre el pianito. Et donc Verstappen, qui va s'en sortir très bien avec ce carambolage, va remonter petit à peu vers les points. Je dis même vers les points, il va être en position d'être dans les points. Il va se batailler longtemps avec Berger, vous allez voir l'image juste derrière. Et va donc, malheureusement, avec un problème de boîte de vitesse, échouer alors qu'il est en 6ème position de la course. Et je vous le rappelle à l'époque, les 6 premiers marquent des points, donc potentiellement un point pour la Syntec. Alors cette image est compliquée à voir, en fait elle est normalement en double page. On peut voir la coupure un petit peu au milieu. C'est Berger et Verstappen en lutte bah justement pour la... Alors à ce moment-là, c'était pas encore pour la 16e place, c'était pour la 8e ou la 7e place. Donc c'est Berger qui double Verstappen. Cette bataille un ou deux tours. Donc Verstappen, malheureusement, il sera pas récompensé, il va abandonner avec son problème de boîte de vitesse. Et son coéquipier va terminer 9e de la course, en revanche, à 4 tours. Devant les deux Forti, alors pourquoi une petite astérisque? Tout simplement parce que les Forti, elles vont finir la course, mais elles vont être non classées. Elles vont être, je crois, à peu près 9 ou 8 tours du leader. Pour vous dire à quel point les Forti, à ce moment-là, étaient très lentes. Ensuite, donc, on pourrait penser que le Grand Prix d'Argentine était une circonstance du fait qu'il ait plu, que Verstappen s'en sort très bien sous la pluie, et que la Syntec finalement, bon, c'est comme au Brésil, elle n'est pas forcément très rapide. Eh ben non, la Syntec va partir plutôt bien classée, hein, 17ème, son coéquipier Quartararo, je croyais 20ème ou 22ème. Seulement, le problème cette année pour Syntec, c'est que par rapport à l'année dernière, il y a des problèmes de fiabilité, et notamment la fameuse boîte Benetton, qui a posé de nombreux soucis, et c'est encore une fois elle qui va faire abandonner, Verstappen. Et Scattarella, de son côté, ne terminera pas non plus la course. Donc pour le Grand Prix de San Marin, c'est encore dommage, mais en plus, il faut savoir qu'au Grand Prix de San Marin, le pilote partait 17ème, mais il se retrouvait dès le début de la course en 9ème position, juste avant d'abandonner. Donc encore une fois, possiblement des points pour l'écurie Syntec, si évidemment la voiture avait fini la course. Encore une fois, voilà, ça ne s'affiche pas. En Espagne, Verstappen arrive à faire un petit peu mieux, 16ème sur la grille, et l'Italien toujours un petit peu en retrait, en 22ème position, et c'est là qu'on voit que Syntec progresse par rapport au début de la saison, c'est-à-dire que au fur et à mesure, les voitures arrivent largement à dominer Forti, à dominer Pacific. Ils arrivent à être au niveau des Minardi, ce qui est quand même pas mal, sachant que, comme je vous l'ai expliqué, le budget de l'équipe est très très faible. Plus faible que Minardi, moins que Pacific, mais Pacific qui ont récupéré les effectifs de Lotus, s'en sort plutôt bien. Et pourtant, Syntec termine devant. Alors là, je vous montre un petit tour Grand Prix d'Espagne, donc c'est lors des qualifications, justement, avec Verstappen. Alors, attendez... Hop là, précédent, je me suis trompé. 7 laps, when his competitors all had 21, 2 or 3 laps. And that's a lot of time on the track to lose. Jos Verstappen coming round to start his first time lap. And Roberto Moreno, on va voir la Pacifique juste après. The circuit, but only those two at the moment. Although Carl Wendling has just left the pit lane. He actually is qualified 20th fastest so far. Domenico Sciatarella is 21st. Luca Badoa is 22nd. Then Montermini
He is 23rd, Gasho, Denis and Moreno were the last qualifiers. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, même dans les années 97, on avait encore les bourbes sur les pneus qui restaient. On dirait, je crois que c'était les témoins du dur. Si quelqu'un a l'explication réelle, je suis preneur. And there we see Jos Verstappen just displaying the kind of excitement that he gave us here on Friday morning on a very greasy and slippery track and seemingly having not a lot more grip than he actually had 24 hours ago. But going back to Carl Wendlinger, the problem is he can't go out and do those one-off first lap qualifying blinds that is so necessary to get the maximum performance from the tire and from the car. And with a teammate like Heinz-Harald Frentzen, who is renowned for his out-of-the-box speed, it's getting to Carl Wendlinger. In the race, he's fine, he can settle down, stabilizes, but the problem is he's starting from so far back in the grid that the good work that he does in the race is going unnoticed. And very good that Verstappen, almost repeating what we saw happen here last year for Andrea Montermini when he got wide. Verstappen qui a fait une petite erreur d'ailleurs dans le dernier virage. Check that car, but you've got to be very careful coming onto the straight because one move too wide and that the verge on the side of the track. On va voir même le ralenti. Look, almost disaster, but Verstappen pulled it back. Continues on. That lap, by the way, 1:27.466, and that's a marginal improvement on his time. Donc encore un tour qu'on ne verra pas en entier. On va... La vidéo, je l'ai raccourcie. Voilà, donc encore une bonne qualification pour Verstappen. Donc cette fois-ci, il va pouvoir terminer et malheureusement, bah, il ne va pas gagner tant de place que ça. Il va terminer 12e avec par contre seulement 2 tours de retard, ce qui est assez représentatif d'une progression à nouveau de l'écurie dans la hiérarchie. Et Scattarella finit aussi d'ailleurs 15e. Donc comme je le dis, l'écurie sera à Monaco avec de bons espoirs d'une saison avec les points à la clé. Donc ça va vite, ils vont vite déchanter tout simplement, parce qu'à Monaco la voiture n'est pas du tout au point. Et il va se passer aussi quelque chose, c'est qu'on va vite se retrouver avec une problématique de finances chez Simtech. Donc, comme je l'explique, comme un signe du destin, en fait, les deux voitures qui sont qualifiées, hein, même si elles sont 20e et 23e sur la grille, elles vont abandonner dès la première ligne droite en fait. Verstappen ne démarre même pas. Et Scattarella, il va abandonner dès le premier tour. Même pas fini le premier tour, il aura abandonné à cause d'un accrochage. Et là, on arrive à pourquoi Simtech n'ira pas plus loin. Il faut savoir qu'en début d'année 1995, on a le fameux tremblement de terre de Kobe au Japon qui va faire des dégâts immenses, pas mal de morts, etc. Il va impacter aussi d'une manière totale. On n'est pas dans la crise de 97 ou la crise boursière de 89 au Japon, mais va impacter d'une certaine manière tout ce qui touche au financement des pilotes japonais et dont surtout ceux de Hideki Noda. Et malheureusement, les sponsors japonais, il y avait un deal de sponsorisation entre Simtech et les sponsors d'Hideki Noda. Ils n'auront pas vraiment lieu, il n'y aura pas d'argent derrière. Et par conséquent, Simtech, qui déjà est très limite financièrement parlant et compter sur l'argent du japonais, va mettre la clé sur la porte quasiment à la fin du Grand Prix de Monaco. Simplement. Voilà tout simplement comment se finit, ça paraît brut évidemment, mais voilà comment se finit la saison de l'écurie Simtech. Et c'est vraiment dommage, dans le sens où c'est une écurie qui commençait à progresser. C'est très difficile pour une équipe qui part avec aussi peu d'argent, je le rappelle qu'à l'époque était donc 5 millions de livres sterling, d'arriver à ce niveau-là, d'arriver à rivaliser des équipes qui auront parfois 10, 15, 20 millions, voire 80 millions de dollars, voire plus. Et malheureusement pour Simtech, bah, il termine pas non plus bien, il termine 13e de la saison 95, puisqu'ils ont fait une 9e place comme meilleur résultat, alors que Pacific, qui a fait la saison entière, termine 8e. Forti, quant à elle, termine 7e,
sur le finish, c'est-à-dire au Grand Prix d'Australie 90-95, et du coup récupère la 11e place. De toute façon, Sintek a mis la clé sur la porte, donc il n'aurait pas de toute manière continué en 87. Mais c'est un petit peu dommage dans le sens où vous avez un petit peu l'appui de Benetton, ils avaient un pilote Verstappen qui était quand même pas mauvais. C'est d'ailleurs lui qui a porté quasiment à lui tout seul l'écurie Sintek en 95, comme David Brabham d'ailleurs en 94. Donc voilà, c'est l'histoire d'une écurie qui est partie avec peu de moyens et qui malheureusement doit abandonner à cause de ça. Que dire de plus par rapport à cette équipe? Il faut savoir que Nick Wirth en 96, il se retrouve chez Benetton, puisque Benetton perd Rory Byrne qui part avec Schumacher chez Ferrari. Et pour le coup, Nick Wirth, on va entendre parler. Alors, il va se faire limoger en 99, puisque Benetton n'arrive pas à enrayer sa chute en fait par rapport à son 95. 96 est moins bien, 97 encore moins bien, et 98 et 99 sont de pire en pire. Du coup, il est limogé et on va entendre son nom revenir pour la saison 2010, puisqu'il va être directeur technique de l'équipe Manor. Manor, donc Virgin Manor. En 2010. Donc c'est un petit peu les restes, on va dire, de Sintek, c'est via Nick Wirth, qui avait d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé au début, il avait 27 ans, Nick Wirth, quand il a commencé à créer... il avait 27 ans, je crois que c'était en 94, hein. Alors je sais pas si c'est 27 ans en 89, bon quoi qu'il en soit, il était très jeune, et voilà, donc il a quand même réussi des choses plutôt correctes pour... Pour son niveau, comment dire, je vais pas réussir à m'exprimer. Mais en gros, pour l'apport financier qu'il avait, il a quand même réussi à faire pas mal de choses assez intéressantes avec cette écurie. Donc vous l'avez compris, c'est une équipe qui était marquée aussi par de gros drames, surtout la saison 94. Et malheureusement, quand tout commençait à aller pour le mieux, le financier a tout cassé. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur l'équipe Sintek, enfin du moins en grande partie. J'espère évidemment que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser des petites anecdotes si vous en avez, il y en a évidemment plein. J'en ai une dernière, Hideki Noda, ça doit vous parler. Vous connaissez peut-être Juju Noda. Et peut-être, on ne sait pas, le futur prodige féminin dans les formules avant la F1, puisqu'elle a réussi le meilleur temps sur le circuit de Okoyama en Formule 4, si je dis pas de bêtises, et c'est une des filles donc de Hideki Noda. Donc Hideki Noda qui a fait plus ou moins sans vouloir couler une équipe, mais qui va peut-être un jour, par sa fille, réussir peut-être l'exploit de faire monter une femme en Formule 1 d'ici quelques années. Peut-être, il n'y a pas qu'elle, mais comme on est justement sur le sujet de Sintek, qu'on parle d'Hideki Noda, ce nom, on en parle toujours à l'heure actuelle grâce à sa fille Junoda. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau Parlons F1 et pour d'autres vidéos évidemment sur la chaîne. Ciao tout le monde!